bozwa mi ebele na banda kuna bino, bozwa mi ebele na bambi ro ya misala na bino, bozwa mi ebele na bami tuka na bino, boche DRC News pona kolanda, actualité politique o yezali koleka bongo en République démocratique du Congo. Spécialement, mkolo mwalelo na yeli bino deux sujets à l'ordre du jour. Nous allons parler des révélations oyo et utibongo kobima na attentat oyo bauta ki kosala ou soit le coup d'état raté en République démocratique du Congo. Toyebi banani bamemaki Christian Malang, Marcel Malang na batuna bango nyonso na République démocratique du Congo. Vous allez également savoir les révélations faites par le VPM de l'intérieur Peter Kazadi par rapport à Yamanduki sophistiqué, pe ba équipement sophistiqué, oyo, ezoama kibongo, na maboko, ya ba terroriste, ou soit, ba toyo ba ya kibongo, ko sala coup d'état. Voilà pourquoi, na liko senga na bino, bo continue na o like émission, bo continue na o s'abonner. So ki o s'abonna kite, abonne-toi sur DRC News Télévision, et si, o like nan vidéo te, like vidéo, partager yango et surtout bozangate kokomela biso ba point de vue na bino na ba commentaire na biso soit en le chat en direct. Comme je vous le disais, deuxième point na kolobela Maye William Ruto autaki koloba bongo na Jeune Afrique oyo alobi ete ba IM23 ba libongo ba congolais likambu ya Rwanda ezali kuna na katite. Et vous allez savoir pourquoi il est passé en média pour na koloba bongo, parce que si mako bengana EAC oyo yaki koyiba ba minere na biso awa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali bongo koluka akata ma mutualisation, il y a force, il y a IPDF et nos forces armées de la République démocratique du Congo pour être les Ougandais puissent également quitter le territoire national parce qu'il y a des preuves où les Ali Kola qui ça a été le IPDF Bazali Bongo pour soutenir le M23 na Bakambo Ezali Koleka à l'est de la République démocratique du Congo. On va faire également un clin d'œil na forces armées de la République démocratique du Congo. Outa, il y a maintenant une semaine et demie, ils sont en train de récupérer plusieurs localités, plusieurs villages à l'est de la République démocratique du Congo, et précisément dans la province du Nord Kivu. Voilà pourquoi, mes chers compatriotes, binonyonso, oyo, bozali connecté, bobengana, ebele, pwete boya kozwa, l'actualité sûre et fiable, surtout actualité oyo ezali ko régner ici, c'est Likambo etali William Ruto, Likambo etali avancement ya FARDC. FARDC azali lelo à 5 km de Rubaya, tozi to récupérer Somikivu et lelo na Bweremana ezali contrôlé par nos forces armées de la République démocratique du Congo. Le M23 est en débandade, le M23 est en train de fuir, il n'y a aucune résistance parce que la montée en puissance de notre armée équipée d'une manière professionnelle par le gouvernement congolais ezali bongo kosala musala na yango. Alors Nazali koko tasiko yo na mama na manaka oyo na yeli bino mokolo mwalelo. Mais avant na banda manako yo, je veux que soki to ali koloba le même langage avec les techniciens qu'il vous balance cette vidéo et je vais revenir après. Voilà. Monseigneur Mbote, yo muto koki ko décrypter le biso cérémonie salami lelo, yo moko ko sala ki intronisé. Alors cérémonie ezali nini po et bazali ko lobana italien et to comprena ki profondeur ya sens na mobinda. Misa to tiko sambela pe okati ya milulu ya misa to sala ki wana biloko bikosangisa eta ya Saint Pierre et Paul oyo ekangemi na Vatican na eta ya mboka na biso Nouveau Zaïre pote bisanga tosala lokola Kristo akangisi biso na misa tuti kosambela tolanda ye po ya koyebisa bosolo pe nzela pe bomoi oyo tosenko pesa na bana ya Nouveau Zaïre. Bongo milulu miwana tosi kosaya sikawa ezali kozwa bobenisi
pe na bobenisi wana biso tango to sangani na président Malanga e yamba na biso to monite yende alongo bani pote akoma président république yango wana to pesi enelo makokisi maimaso na état ya Saint Pierre et Paul na kati ya Vatican te pona biso azali de nini Japon. Voilà. Yo ozali monseigneur Akuma, oyebani makasi na Vatican awa notamment na milieu ya ba congolais et na milieu ya papa o ya liboso ozalaka papa Jean-Paul II ozalaka exorciste na ye. Ozali ali moto moko ozali na mayele ya bomoto mais ozali pe na mayele oyo spirituel okoki komona oyo liso ya moto nyonso ezali komona te eloko nini omoni na nzoto ya elenge mobali oyo esali ke ozwaye presque sous protection na yo et oprésente ye na bamilieu oyo ya makasi makasi awa na Vatican. Bokutani biso na elenge oyo euti ezali mbuma ya sambo ngai nazali kokoba kosala tango na longwaki na Vatican akei na mboka kokoya kosala makambo etali development po totonga ekolo na biso kokosa oyo ngai nazwi kuna esali te toye kozonga makambo masalemi te sika awa batuni ngai te bongo makambo yango masuki obe na nzela ya boto yo lokola omonaka oza omona ndenge nini ngai nalobi te mwinda moye mosakati tokenda kuna mpe tokomi awa tozongi awa mozali seko kopela bongo te nakosambela nde omeli mingi te nzambe akolukela biso moto akotindela biso moto oyo azali na makoki ya kokamba ekolo na biso na kokoso nyonso oyo azali na yango mpo te azala moto azali na bokasi ya kobunda azali na elimo ya komipesa mpo te toluka yambo ya makambo maso bolamu bwa ekolo ntango ye elenge azalaki kuna na mboka mosika na awa azwi bakokoso oyo elimo asali te baluka exorciste moto oyo akokosukisa kokoso oyo azalaki na yango balukiluki bote baye kokoma epai na ngai balobi tala tozali na elenge moko ya mboka na yo kasi azalaka na mboka mosusu azali na kokoso boyo mpe balebisi biso te yo okokobikisa ye kosalisa ye lokola ngai mpe nandimaki bapesi na bapesa numero ya telefone na ngai abengisa ngai e tosololi na ye ntango nayoki ye nalobi lobi oyo makambo oyo ozali na mango okomona te mazali susu te mpe ye amoni bongo yango wana ye mpe lokola ayalandi makambo ngai nalobaki na ye nayebisi ete yaka okoma awa nayolisa ngai tokotambola mpo te nakokotisa yo na kati ya makambo na bokasi bwa eklesia oyo esika ngai nazali te nakomema yo kino nakitisa yo na mboka oyo ya biso eteni ya eklesia oyo ya biso lokola ezali kuna bango mpe bayoka yo bandima eloko oyo mpe makambo manso totamboli na ye tokomi kuna mpe tozali kokoba kotambola yango lokola tokutani sikawa na kati ya eleko ya pasika kristo oyo asekwi lokola tolobaki na italien bongo ngonga ekokaki te mpo te nabanda koloba na lingala so na francais tozali komonisa te nzambe oyo ayaki mpo te abikisa biso ayaki na elimo ya mosembo mpe na molungi monene ntango bato balingi kolanda mateya maye te balobi te baboma ye mpe babomi ye akasaki te balongi ye bongo yango wana ye alugoi asekwi batiaki basoda mpo bakengele ye mpo. Vous avez suivi dans cette vidéo mes chers compatriotes que attentat ya coup d'état
ça a été préparé depuis Rome. Coup d'état au bino de Monaki, Mukolo dimanche vers 4h. Ça a été planifié route à Rome. Banda 2010. Le renseignement militaire Nabiso Ezala qui a la recherche de Christian Malang. Christian Malang était sous la recherche. Il y a renseignement militaire. Christian Malang ne pouvait pas piétiner les sols congolais. Christian Malang ne pouvait pas arriver sur les sols congolais. Mais il a été aidé par le prêtre catholique. Vous avez suivi dans la vidéo où le prêtre est en train de dire comment est-ce qu'il a été contacté pour qu'il puisse entrer en contact avec Christian Malang, que vous voyez également dans cette vidéo. Et vous suivez comment est-ce que Batouana va y politique, il y a catholique, parce qu'ils ne sont pas des prêtres. À regarder seulement la manière dont ils agissent, ils ne sont pas des prêtres, mais plutôt, ils sont des politiciens et surtout des opposants au régime de Félix Tshisekedi. À attendre d'abord ces prêtres, qui sont en train de promettre à Christian Malang, comment est-ce qu'il va coéder poison dans ma belle, selon Malobanaye, ma belle à Christian Malang, et ce qui vous allez qu'on se rappeler, le cardinal Fridolin Ambongo, à l'obaki kali koluka un jeune courageux. Jeune courageux, il a koki ko renversé. Makam. Le jeune Yapé perdait le Henri Magie, le Tissola et les autres. Tango va rejoindre Corneille Nanga. Le cardinal Ambongo, au lieu à côté, il y a Batuli Lobanzambe à l'obaki, que ba jeune Wana va accueillir pour rejoindre Corneille Nanga parce qu'ils sont frustrés. Selon lui, il nous encourageait le jeune à rejoindre la rébellion. Et aujourd'hui, on voit une vidéo de prêtres catholiques qui cherche comment est-ce que Makokoti Christian Malang, un criminel, un terroriste qui vivait dans le mine au niveau de Mozambique, qui a tué les gens au Mozambique pour avoir des minerais, Bazaliko facilité à Kota en République démocratique du Congo. À Kota, République démocratique du Congo, pourquoi et pour faire quoi? La suite, vous en savez. Christian Akoti, avec la complicité de certains d'entre nous, Christian Malang Akoti, accompagné par le service de renseignement, parce qu'on ne peut pas comprendre que Christian Akoti, alors qu'il était recherché par la justice militaire, j'ai les documents de sa recherche. On ne peut pas comprendre que Christian Malang n'a pas douana, bakota, même s'ils étaient aidés par l'Église catholique, il y a eu également contact entre l'Église catholique et certains responsables au Bali qui ont géré le service de sécurité. Suivez Peter Kazadi, le VPM de l'intérieur, et après on revient pour analyser la situation. Selon le porte-parole de l'armée, ces gens avaient du matériel sophistiqué, notamment des drones. Ces gens sont venus du Congo central. Ils sont restés quelques jours à Kinshasa, selon les renseignements recueillis. Monsieur le VPM, ministre de l'Intérieur, comment ils ont fait pour entrer avec tout ce matériel dans la capitale? C'est une question qui doit interpeller plus d'un Congolais, parce que, vous savez, nous sommes assez infiltrés. Que ces gens qui sont venus en réalité, qui ont traversé nos frontières à partir de l'Angola pour entrer jusque dans la province du Congo central. Donc, il y a quelque part, je dirais, une certaine complicité pour que ces gens entrent avec les armes. Certaines complicités au niveau de Kinshasa. Le problème au niveau de l'infiltration dans toutes nos institutions n'est plus à démontrer. Nous savons qu'ils n'ont pas agi seuls. Il y a certainement des correspondants qui sont
dans nos rangs quelque part et les enquêtes sont en train d'être menées pour identifier leurs complices afin que ceci... Bolandi veut pas ma intérieur. Alobi sirement ces gens avec quelques gens à l'intérieur. Dans nos rangs, il y a eu les gens qui les ont aidés. Le VEPAM de l'intérieur à l'Obi, Batouana va continuer à partir de l'Angola. Et l'Angola nous doit également des explications. Parce que ces armes sont passées par l'Angola. Selon le VEPAM de l'intérieur, Peter Kazadj, c'est lui qui est en charge de la sécurisation du territoire national. Et lorsqu'il est en train de le dire, vous sentez qu'il y a encore des doutes. Il est en train de présumer. Mais ici, nous devons nous dire des choses en face parce que nous, nous sommes des Congolais et on n'a nulle part où aller. On n'a que les Congos comme patrie. Et nous devons défendre ces Congos comme notre chère patrie commun, notre seul bien commun, Otozali Nango, pour dire aux détracteurs que désormais, ceux qui boyaient beaucoup tanana ma Congolais, Nanzela Nabino. Voilà pourquoi nous sommes en train de préparer une matinée politique au niveau du Grand Marché, là où nous allons démontrer à la face du monde que Tshisekedi a l'appui du peuple congolais parce que c'est le peuple qui l'a voté. Revenons maintenant à ce que je disais. Vous voyez que Peter Kazadj affirme que dans nos rangs, il y a certainement des complices. Et moi, j'aimerais qu'il y ait des décisions qui soient prises à l'encontre de ces complices et ces assaillants. Selon le VEPAM de l'intérieur, les infiltrés qui sont dans nos rangs restent à identifier. Et Sengeliba a identifié Bango. Et Sengeliba est Bango. On est dans des contrôles. On est en train de regarder de gauche à droite. Mais entre-temps, il y a la précision que Batouana va continuer en Zela et Angola. Ça veut dire que nos frontières entre l'Angola et la République démocratique du Congo, elles allaient passoir. Et selon Peter Kazadj, ces gens ont fait 4 jours dans la capitale de Kinshasa avec toutes ces armes et tous les équipements modernes, les drones, Oyoramati Sakilikolo. Le retoc Oyoramati Congo Central, le retoc de Kinshasa doivent également être arrêtés parce que quitter Congo Central, arriver jusqu'à Kinshasa, n'a pas matériel loin, c'est impossible. Voilà pourquoi on a mis la cassette dans la gestion de la frontière. Gestion y a en air. Le service de sécurité, ce n'est pas le temps de la Kabapongi. C'est le temps où tout le monde doit faire quelque chose. C'est le temps où tout Congolais doit faire son travail comme il se doit. Ce n'est pas le temps où au lieu de protéger les frontières, Moussala Nayo, c'est de tracasser la population. La police, au lieu de sécuriser la population, Moussala Nabango, c'est tracasser la population. Aujourd'hui, mes chers compatriotes, on se rend compte que la complicité, l'infiltration, on est au Lobelaka chaque jour, et les gens ne nous croient pas. Aujourd'hui, cette infiltration est vue aussi de tout le monde. Maintenant, d'autres révélations, parce que je ne peux pas m'éterniser sur un seul point, parce qu'on a peu de temps pour analyser, faire l'analyse. Yamakambo Ezali Koleka, avant token de l'Assemblée nationale, token de Kolandela, élection, il y a bureau définitif, il y a Assemblée nationale, dont la plénière a été convoquée, Mukolo Malelo, et pas il y a président, il y a bureau d'âge, Christophe Mboso Kodia. Je disais, mes chers compatriotes, quand vous avez un téléphone, vous avez un live. Téléphone, vous avez un live à 4h30 dans le palais de la nation. Le téléphone de Marcel Malang, le téléphone de Christian Malang a été retrouvé dans Maboko, il y a un agent national, il y a les forces armées de la République démocratique du Congo, surtout la garde républicaine. Il a été retracé les appels. On a retrouvé le dernier appel dans le téléphone à Christian Malang et Salemaki vers 22h30. Et qui était la personne qui a été appelée? C'était Vital Kamerhe. Est-ce que ces coups d'État, cette tentative
parmi Bato Bazali ko suspecté, est-ce que Vital Kamerhe est le cerveau moteur Yamakambo et Salemi? Parce que le dernier appel émis par Christian Malang et Zali appelle Oyo Abengaki numéro Oyo, il paraîtrait ya Vital Kamerhe. Et selon d'autres indiscrétions, le même jour Oyo Bayaki na niveau ya Palais de la Nation, ils auraient eu des informations selon lesquelles le chef de l'État allait être au Palais de la Nation à 16h-là, parce que beaucoup de temps, Félix passe son temps à travailler pendant la nuit. Et voilà pourquoi ils avaient ciblé le Palais de la Nation et non la cité de l'Union africaine, là où le président de la République réside. Et ces gens-là, bah, il a dit que le chef de l'État était à niveau à Pullman où il participait dans une fête où il a été invité ensemble avec Vital Kamerhe. Et le dernier appel a été l'appel qu'on a appelé Vital Kamerhe. Est-ce que Vital Kamerhe en sait quelque chose? On a suivi les déclarations de son parti politique. On a suivi les déclarations de plusieurs personnes. On a dit que Vital Kamerhe a été visé et il était le premier visé pour Aboumaye. Et nous, nous espérons qu'ils ont dit la vérité. Que Bango Balobi et Zali Bosolo. Mais les enquêtes doivent continuer. Parce qu'au regard de Makambo Bisotomoni, au regard de Biloko et Salemi, il paraîtrait qu'il y a des dignitaires du pouvoir, il paraîtrait qu'il y a ceux qui travaillent dans le service de sécurité, qui y sont pour quelque chose. Et ces gens-là doivent être arrêtés et mis aux arrêts, et même les assaillants. J'ai appris que les États-Unis d'Amérique réclament les Américains, les Salibouzo, dans la République démocratique du Congo, qui ont failli tuer un député national, Yambo Kanabiso. Ces assaillants américains qui ont failli tuer le président de la République. Mais le département américain, Zali Kokoma, pour réclamer les Américains. Balobi au Congo, il n'y a aucune juridiction qui peut plutôt Kosambi Sabatouana. Quelle insulte! On a vu même au Vietnam, il y a des prisonniers américains. Le prisonnier de guerre, les espions américains qui ont été arrêtés en Iran, partout ailleurs, ils font la prison là-bas. Mais ici, ce n'est même pas un problème d'espionnage. Ici, ce n'est même pas un problème de guerre. Mais ils sont venus pour assassiner le chef de l'État, pour que ça la coup d'État pour renverser le régime. Et les Américains, Bazali Kolobaete, ici, à la République démocratique du Congo, aucune juridiction n'est compétente pour juger leurs compatriotes américains. Nous demandons au gouvernement congolais, les enquêtes doivent se poursuivre. Les gens qui sont arrêtés, les lots, et Sengeli Basambi Sabango, sont qui Bazali condamnés. D'ailleurs, ils sont condamnables parce qu'ils ont été arrêtés au lieu du crime avec les armes détenues militaires. J'ai déjà parlé sur la situation à la gestion de la frontière, comment Bassi va commis. Le problème maintenant, comme il y a maintenant la restauration, il y a moratoire sur la peine de mort, j'aimerais que ces Américains, au nombre de trois, ces Canadiens, et ces Britanniques et tous les Congolais qui ont été recrutés au Congo central, tous puissent être exécutés pour la peine de mort, la haute trahison. Ce qu'ils ont fait, c'est de la haute trahison. Pour ceux qui sont des étrangers, ils doivent être abattus en République démocratique du Congo. Et cela donnerait d'exemple à d'autres. On va aller planifier. Et même le complice Yabatouana, l'église catholique, le prêtre de l'église catholique. On a vu des photos, Yabambongo, na Christian Malang. Tout le monde doit être interpellé. Dans les derniers jours où tout Koleka, Moutouto Yazala qui t'a kana Christian Malang et Sengeli Balandelaye Obaye Baruyelman Nini Yabanda qui Kosololana Christian Malang. On peut se réjouir aujourd'hui que Christian Malang a été abattu. On peut se réjouir aujourd'hui qu'on a neutralisé les assaillants. Mais est-ce que les réseaux ont été neutralisés? Est-ce que les réseaux ont été identifiés? Ça également, c'est très important, mes chers compatriotes. On doit suivre de près tout ça. On doit suivre de près Makambo, les Aliko, les Kanambo, Kanabiso, parce que ça dépend également Nabomo Inabiso. On ne doit pas rester Kidiba. On doit mettre la pression sur ceux qui nous dirigent, ceux qui nous gouvernent. Ils doivent savoir que les Congolais
sont impatients de voir ces traîtres, ces gens qui ont trahi la nation, la haute trahison au Yobasali, bas à la exécuter devant la population. Et c'est là et qu'on diminue bah on ne peut pas aller dans l'ambition il y a quoi que ça là la même chose. Je vous ai dit, il y a les propos tenus par William Ruto. Je suis en train de partir un peu plus vite parce que il y a élection de l'Assemblée nationale et Sengeli Tozalawana pour suivre de plus près Oyezali Kolekakuna. Je vous ai dit, mes chers compatriotes, William Ruto a outi Koloba. Abimisi Oyobiso Tobaneki Koloba Utakala. Maloba William Ruto a lobby et Zali ko confirmé Oyobi soto lobaka utakala. On a toujours dit et on le redira encore. Le Yassé, le Rwanda, le Kenya, l'Ouganda, le Sud-Soudan sont derrière le Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo. Parce que beaucoup d'entre nous n'écoutent pas l'anglais. Moi, on a balancé la vidéo de William Ruto. Boyo Kamaloba, il y a lobby la jeune Afrique et Zalité. William Ruto a dit que le baboy. Que le Kambota, l'IM 23, c'est un problème congolais. Il n'y a aucun problème avec le Rwanda. Le Rwanda n'y est pour rien. Namakambo et Zalité, que Salema. Selon lui, le Rwanda n'appuie pas les M23. Le Rwanda ne soutient pas les M23. Selon William Ruto, le Rwanda, les troupes rwandaises ne sont pas sur le sol congolais. Et que les M23, ce sont les Congolais qui s'équipent eux-mêmes. Et leurs problèmes doivent être réglés par la République démocratique du Congo. Et la seule solution, c'est le dialogue entre la République démocratique du Congo et le M23. Or, vous savez que la position du président de la République, la première institution, Yambo Kanabiso, et Ali Kobo, il y a dialogue, naba Nyarwanda, naba Yi, M23, parce que le M23, les tentatives, Yabato, Yabazaba, Nyarwanda, qui leur soutiennent. Aujourd'hui, le monde entier est témoin. Pendant que la communauté internationale, les alliés colombés, la Rwanda, a retiré la troupe naïe sur le sol congolais, aujourd'hui, le Rwanda a un allié de taille au niveau de la région de l'EAC. Voilà pourquoi le retrait de la République démocratique du Congo de l'EAC, les alliés, très important que Tobimana et Lokowana, parce que Bango Toubatoua et Yassé, leur position a été donnée par William Ruto. Oyo William Ruto a lobby, Yangonde et Yassé et Zali Koloba. La RDC doit tirer des leçons sur les paroles de William Ruto. On peut même aller très loin pour retirer notre ambassadeur au niveau du Kenya et aussi expulser l'ambassadeur du Kenya qui est en République démocratique du Congo. Comme réponse, Nababuzo Baoyo, Monsieur William Ruto, le président kenyan, a Outaki Koloba. Le monde entier aujourd'hui a les images des troupes rwandais, comment ils traversent les frontières pour venir appuyer le M23. C'est William Ruto, Oyo Azali ko a appuyé la thèse selon laquelle le M23 n'est pas soutenu par le Rwanda et que le M23 n'est pas le problème du Rwanda. Malgré qu'ils sont en train de faire leurs bêtises, malgré qu'ils sont en train de se réunir pour ainsi attaquer la République démocratique du Congo, dire de n'importe quoi, l'armée congolaise, et moi j'avais déjà sonné la sonnette d'alarme pour dire au président de la République, Monsieur le Président, il n'y a que les phares de ces Bangonde Bakosili Salikambo, il y a insécurité dans l'Est. Il n'y a que les forces armées de la République démocratique du Congo qui peuvent mettre fin à l'insécurité. Regardez aujourd'hui, tant que l'armée est financée, tant que l'armée a le soutien du gouvernement, tant que l'armée a le soutien du peuple, regardez aujourd'hui les exploits. Oyo armée Nabiso Zalina Katia Kosala à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons récupéré Somikivu. Nous sommes à 4 km, il y a qu'on récupérer Rubaya. Bweremana a été récupéré.
plusieurs collines, localités ont été récupérées. Ça fait maintenant plus d'une semaine. Oh, y a une opération et vengeance, et ça non-stop. Ma belle Akadame, ou soit la seule horreur Kadama Salaki, c'était de bombarder le site Yaba déplacé. Et comme a bombardé le site Yaba déplacé, ça a donné la colère aux forces armées de la République, aujourd'hui qui les boutent dehors. Après Rwanda, Kibirizi, récupéré, le long nous fonçons vers Rubaya. La localité que nous avons récupérée hier, c'est une localité qui ouvre la voie vers Rubaya afin que Rubaya puisse rentrer dans les mains des forces loyalistes de Wazalendo qui se battent jour et nuit. Voilà pourquoi, mes chers compatriotes, même si la situation reste dominée, na Oezali Kotala, le coup d'État échoué, mais de l'autre côté, Far dese azali ko lembate, far dese azali ko beta bango toro toro, far dese azali ko faire reculer le M23. Et de l'autre côté, la communication, Olo Wilingo Mazui, il a pris la vidéo de la garde républicaine, Olo Bandeki ko traqué par Américain dans les fleuves. Vous avez vu comment ils ont été abattus professionnellement, neutralisé professionnellement par l'armée congolaise. Aux Ali Kongona, c'est ce que Wilingo m'apprend aujourd'hui pour poster na compte naïe, au lieu de donner la situation, comment est-ce qu'ils sont en train d'être dépilotés par les forces armées de la République, il prend cette vidéo pour incriminer l'armée, qu'ils sont là pour effacer les traces. L'armée n'est pas là pour effacer les traces, mais l'armée est là pour restaurer la paix. L'armée est là pour sécuriser la population. Tant qu'ils ont essayé de faire un coup d'État, l'armée, la garde républicaine, bazala ki wana, ponako, kangabatuana, et les neutraliser. Et c'est ce que l'armée a fait ce jour-là. Et aujourd'hui, personne ne parle de prouesses de l'armée. Personne ne parle de prouesses de Wazalendo. Les Wazalendo sont en train de démontrer à la face du monde que malgré Biloba le Bayabatunyonso, malgré tout ce que le monde peut dire, mais avec la détermination, nous sommes capables d'en finir avec tout ce qui est infiltration. Avec la détermination, nous sommes capables d'en finir avec tout ce qui est attaque ou soit agression, yabambo kabapaya. Voilà pourquoi, mes chers compatriotes, que personne ne vous décourage, que personne ne vous manque. Les forces armées sont en train de sécuriser nos territoires. D'ailleurs, j'ai la vidéo où le patrouille Zali Kosalema entre le Sud Kivu et le Nord Kivu par les forces armées de la République démocratique du Congo. Le lieutenant général Fan Sikabwe, le chargé des opérations dans ces deux provinces, il est au four et au mourin. Et au moulin plutôt. Il est en train de suivre la situation. On est en train de neutraliser, que ce soit les ADF, que ce soit d'autres groupes armés qui ne se sont pas ralliés. On est en train de les attaquer. Et aujourd'hui, la paix est en train de regagner le Nord Kivu. Et les forces armées dans le territoire de Masisi est en train de récupérer plusieurs localités. Et bientôt, tout le territoire de Masisi passera sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà un peu Olonaïla Kibino, Lelo, Nalumbangu, avant Tokende, Kozoa, élection ou soit résultat, il y a bureau définitif, il y a assemblée nationale au niveau, il y a palais du peuple. Ngaïla Bino Tokutani, à la prochaine occasion sur la même chaîne. Ciao.